patiemment, méthodiquement, sans désemparer, mais prudemment, nous avançons dans ce projet très complexe afin de répondre avec l'efficience requise aux attentes légitimes des populations en matière d'accès aux soins de santé de qualité pour tous. Il m'est choix d'affirmer solennellement aujourd'hui que la mise en place de l'assurance maladie universelle au Congo, projet cher à son Excellence Monsieur de Sassou-Nguesso, président de la République, chef de l'État, est en marche. En lançant officiellement ce jour, vendredi 24 novembre 2023, l'opération d'enrôlement biométrique des assurés de la Caisse d'assurance maladie universelle, CAMU, j'entends engager l'action du gouvernement dans la droite ligne du respect de la directive du président de la République visant à faire du régime d'assurance maladie universelle l'épine dorsale de l'agenda 2023 de la sécurité sociale dans notre pays. À toutes les couches sociales, travailleurs salariés ou indépendants, ceux du secteur public ou privé, les professions libérales, les étudiants, les personnes vulnérables et aussi les résidents étrangers en situation régulière, le gouvernement met au service de la nation un service pour lequel aucun citoyen ne saurait rester au bord de la route pour des besoins de santé. En effet, ce système se veut solidaire et de qualité face à la maladie, de sorte que, désormais, par la mutualisation des ressources, les questions financières ne puissent plus constituer un obstacle aux soins. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme le prescrit la loi, être enrôlé à la CAMU et disposer de sa carte de santé ouvre des droits d'accès aux soins de santé à vous tous, cotisants, mais aussi à vos conjoints et à vos enfants. Cette étape annonce l'entrée en exploitation de la CAMU à Brazzaville. L'opération d'enrôlement biométrique des assurés terminée, leur prise en charge médicale interviendra dans les 3 prochains mois au terme de la période de carence prévue par la loi et conformément au socle juridique de la CIVS. Après quoi, le travail se poursuivra avec les communes de Pointe-Noire et d'Ouyo avant l'extension progressive dans les autres localités jusqu'à atteindre l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, distingués invités, les efforts du gouvernement touchent également la mise à niveau des formations sanitaires. Voilà pourquoi nous avons entrepris de démarrer avec les villes de Brazzaville, de Pointe-Noire et de Ouyo en nous appuyant sur les hôpitaux généraux qui s'y trouvent, disposant de plateaux techniques compatibles avec le panier de soins retenu. Nous avons voulu d'une démarche prudente, progressive et pragmatique pour garantir le succès et la gestion durable de notre système d'assurance de façon à ne pas confondre vitesse et précipitation avec tous les risques que cela comporte, y compris dans de grands pays où cette aventure a été annoncée sans méthode. En effet, il nous faut garantir une offre des soins de santé de qualité et soutenir une couverture sanitaire universelle. Dans cette perspective, le gouvernement s'engage également à garantir la disponibilité des médicaments en collaborant étroitement avec le secteur privé. L'accessibilité aux médicaments, en tant que maillon essentiel de la couverture maladie universelle, est une priorité indéniable. C'est pourquoi j'appelle chacune et chacun à ce devoir de solidarité et de responsabilité, que l'on soit conducteur de taxi ou de bus, retraité, étudiant, salarié du public ou du privé, travailleur indépendant ou exerçant dans les professions libérales, à se faire enrôler massivement à la Caisse d'assurance maladie universelle.
Je m'en voudrais. Si je ne remerciais pas la direction générale de Bouygues Télécom et l'ensemble de ses employés qui se sont prêtés volontiers à abriter la présente cérémonie de lancement officiel de l'opération d'enrôlement biométrique des assurés de la Caisse d'assurance maladie universelle. C'est dire combien le monde du travail, par cet exemple, s'emploie à accompagner véritablement l'entrée en exploitation de la Caisse d'assurance maladie universelle. Je vous y encourage tous et vous remercie de votre émanation.